Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo consacrée à mes achats de la Japan Expo et de Paris. Allez, c'est parti, on y va. We got demons, demons stuck inside our blood. Yeah, we got drugs inside our heart. Yeah, we in the mood to be free. Tout d'abord, avant de vous montrer les mangas que j'ai achetés, je vais vous présenter les deux peluches que j'ai achetées lors de la Japan Expo. Il s'agit du Nymphali Pokédoll, donc c'est un Pokémon, c'est une évolution d'Evoli, qui se trouve juste là. Et le Noctali qui va avec, voilà. J'ai craqué, c'est mes deux seules peluches, j'ai pas acheté de figurines cette année, donc voilà, je me suis fait un petit plaisir, voilà, sympa. Donc voilà, je trouve vraiment mignonne. En édition limitée, je me suis procuré les 3 tomes de In This World, qui est un yaoi du genre vraiment thriller. Ça parle de meurtre, ça parle vraiment, voilà, c'est une enquête policière que j'aime énormément. Pour tous ceux qui connaissent déjà, il y avait 2 tomes de paru chez nous, le 3ème sortira en septembre dans l'édition normale. Et les 3 tomes étaient eux disponibles donc à Japan Expo. Donc je vous montre le tome numéro 1 qui se trouve juste ici. Le tome numéro 2. Et le tome numéro 3. Et un peu plus sanglant. Je vais vous montrer juste quelques images vite fait. Moi personnellement, j'adore ce style de dessin un peu crayonné, j'adore ce yaoi. Donc voilà, pour moi c'était une évidence de le prendre. On continue avec la maison Taifu Comics qui m'a offert donc 3 mangas. Vous le savez, je suis en partenariat avec cette maison d'édition. Donc je remercie Guillaume pour ce don, dirons-nous, que je vous présenterai bien évidemment très rapidement. Alors, il y a donc le tome de Jackass qui se trouve juste ici. Je ne vous montre pas les dessins puisque comme je vais vous les présenter, vous aurez davantage d'explications et de détails lors des vidéos présentations. Le tome 1 de Minori no Tech se trouve juste là. Et celui qui m'emballe vraiment le plus, c'est le Théâtre des Fleurs qui se trouve juste ici. J'adore la couverture et j'adore le synopsis. J'ai vraiment vraiment hâte de lire pour pouvoir vous le présenter celui-ci. Comme les deux autres, mais là vraiment, celui-là, je sais pas pourquoi, je sens qu'il a une petite préférence. Les deux seuls mangas de la maison IDP Boys Love que je me suis pris, ce sont des suites de séries. Le tome 5, donc, de Let's Play with the Priest, de l'excellente Koketsuko Yamamoto. J'adore ce manga, si vous me suivez depuis les tout débuts, vous le savez, hein, j'adore ce style de manga. Et je me suis pris donc de la même auteur, toujours de Koketsuko Yamamoto, Boku no Nanagai, le tome 3, et il me semble d'ailleurs que c'est le dernier de la série. Voilà, un peu triste, mais... au moins, ce sera conclu cette année, et ça, c'est vraiment top. Toujours dans les mangas que je me suis pris, je vais vous présenter donc 4 tomes 1 que je me suis pris à la Japan Expo. Donc, on a le premier tome de Chromebreaker que j'ai eu d'occasion, qui se trouve juste là. Donc là, je n'en sais pas vraiment plus, j'avais pris ça sur un coup de tête, voilà, je ne le connaissais pas du tout. Donc, je vous le présenterai dans des lectures en cours ce mois-ci ou au mois d'août. Je me suis également pris, alors ça, je pense que vous le connaissez, hein, le premier tome de Vampire Knight. Il y a un animé qui est disponible sur Netflix. Moi, personnellement, je vais d'abord commencer le manga et après, je me jetterai sur l'animé si vraiment ça me plaît. Mais déjà, l'ambiance, j'ai lu quelques pages, me plaît beaucoup. Et comme je me suis pris un artbook de Vanra et que je n'avais aucune de ses œuvres, en fait, je suis vraiment tombé amoureux du dessin de Vanra. Je me suis dit, autant trouver donc une œuvre à elle, hein, tout simplement. Donc, je me suis pris le premier tome de Stray Dog qui est juste ici. Et voilà, j'ai trouvé le premier tome de Mortisen qui est sorti au mois de juillet, juste là. Tous les deux, voilà, ce sont des œuvres de Vanra. Je vais vous montrer d'ailleurs tout de suite l'artbook. Concernant le petit bijou, il se trouve juste là. Je l'ai payé donc 17€ à la Japan Expo. J'adore, hein, franchement, je suis assez fan des dessins de Vanra. Très sincèrement, je ne sais pas s'il y a plusieurs artbooks. Je ne me suis pas encore penché sur cet auteur, mis à part les deux mangas que j'ai achetés. Et malheureusement, je ne sais pas s'ils sont disponibles hors Japan Expo, mais voilà. Si vraiment ça vous tente, n'hésitez pas parce que c'est vraiment, vraiment très joli. Hein. Voilà pour l'artbook donc de Vanra. Je me suis donc également pris cette chose juste ici que j'ai trouvée chez Book Off pour 20€. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc pour tous ceux qui connaissent mon amour de Clamp, il s'agit donc de X qui se trouve juste ici. Alors il me semble qu'il y a 2e artbook au Japon. Moi j'ai trouvé que celui-là. J'ai déjà trouvé celui-là qui est sorti donc au Japon. Je vais vous montrer les dessins là. Moi je suis très très fan de Clamp. Je n'ai pas encore le X mais j'ai pris la collection DVD complète parce que j'aimais énormément. Voilà, j'avais regardé le premier épisode, j'avais adoré. J'ai pris également, enfin je vais commencer à prendre les mangas. Quand il s'agit de Clamp, j'adore regarder et lire. Parfois je ne regarde que des animés de certains auteurs et parfois je ne lis que certains livres. Mais pour Clamp, je ferai assurément les deux. Donc voici quelques images. Pour tous ceux qui ne connaissent pas Clamp, sachez qu'elles ont fait, donc c'est un groupe de 5 femmes. Elles ont fait les 4 pour Sakura, Tsubasa Reservoir Chronicle, X, RG Vida, voilà, que des chefs-d'œuvre.
Bien sûr, c'est un avis perso, mais vraiment, pour moi, c'est the best. Je pense que cet artbook, si vous intéresse, sera trouvable sur internet, pas trop cher. Ce qui est génial avec Book Off, c'est qu'ils ont des importations japonais, donc il y a énormément de livres, et ça, c'est vraiment un plus, très clairement. Je suis ravi d'avoir trouvé X. Je le cherchais pas, je l'ai trouvé, il était emballé dans un carton. Le carton qui se trouve juste ici, vous le voyez, il y a marqué Clamp. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je ne l'avais pas ouvert lors de mon achat Book Off. J'ai juste vu que c'était donc Clamp, j'ai regardé que c'était bien marqué Clamp avec X, et puis je me le suis acheté, je l'ai découvert à la maison. Et franchement, je regarde pas. Je ne les ai pas dans les mains puisqu'ils se trouvent donc dans ma DVD Tech, dirons-nous. J'ai acheté également donc la partie 2 de l'arc numéro 1 de SAO en DVD Blu-ray parce que j'avais vu regarder que la première partie et j'avais tout simplement adoré. Je me suis également pris donc les OAV de Magic Knight Reinhardt qui est également donc du studio Clamp, voilà, tout simplement. Là, je me suis pris que les OAV, mais je compte bien me trouver la série si toutefois elle existe également en DVD. Par ailleurs, comme on regarde depuis très peu de temps l'anime Seven Deadly Sins que j'avais mis en pause au niveau du manga, ça m'a donné très envie de relire le manga, en tout cas de le continuer, et de m'acheter, vous savez, ce gros coffret édition limitée Seven Deadly Sins que j'espère vous présenter peut-être dans les prochains mois si je l'achète vraiment. Toujours, quand j'ai envie d'acheter quelque chose, généralement, je me précipite mentalement, et quand il s'agit juste d'acheter, et je n'achète pas. Donc peut-être que ce sera le cas avec celui-là, mais j'espère vraiment pouvoir vous le présenter si j'achète, parce que franchement, l'anime, c'est juste de la bombe. Je terminerai donc sur ça avec mes achats Japan Expo et Paris et ce petit hors-sujet au niveau de Seven Deadly Sins. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et on se voit très bientôt. Bye bye!